Alors, il y a un aspect que, chez Guénon qui est un peu atypique et sur lequel il est utile de revenir, c'est le rôle qu'il a pu avoir, qui est décrié parfois en franc-maçonnerie. Certains ont dit « Oh, il était plus, c'est pas son truc ». Il faut savoir que Guénon a écrit un livre qui s'appelle « La Grande Triade » et disons que cet ouvrage-là fait date, il l'a écrit en 1946. Donc, il est au Caire, hein, c'est dans la deuxième partie de sa vie qu'il passe au Caire, et il écrit ce livre parce qu'il est quand même toujours habité par ses symboles, hein, le symbole 3. La triade, c'est, par définition, c'est 3. Alors, ça peut être le ciel, l'homme, la terre, il y a beaucoup de ternaires dans la symbolique chez Guénon. Mais ce qu'il faut savoir, il faut le mettre en liaison, ce livre, avec ce qu'il est devenu. On sait qu'à Paris, les gens connaissaient beaucoup René Guénon, le lisaient dans certains milieux maçonniques, et notamment à la Grande Loge de France, c'est pas rien quand même, où certains guénoniens, qui se disent guénoniens, disent « Tiens, et si on crée un atelier maçonnique en l'honneur de René Guénon ?» Mais il n'est pas mort, Guénon. C'est de son vivant qu'on lui propose ça. Et dans les années, juste après le livre, donc 1947, on voit éclore, dans cette grande obédience parisienne, un projet de loge effectivement, consacré en hommage à René Guénon. Mais René Guénon vivant au Caire, donc on s'imagine des liens. Guénon va suivre ce projet de très près. On va faire concerner Guénon sur le projet, on va lui écrire en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Hein, il y a des courriers, hein, « Mon cher frère, comment peut-on faire ça ?» Et donc il a un contact physique, par écrit interposé, puisqu'il ne s'est jamais déplacé, il n'est jamais allé dans cet atelier lors de son inauguration, et cet atelier va être créé. Et foncièrement, Guénon, on le connaît, il est intangible. Il dit « Cet atelier va servir un peu de miroir à ma vie ». Et c'est quoi un miroir à la vie de Guénon? Eh bien, c'est ce triptyque initiatique. Et la grande triade, dans le livre, ce sont tous les symboles ternaires qu'il aborde, hindous, hein, dans l'islam, dans la chrétienté, hein, les trois divinités hein, du Christ sont bien connues, le ternaire est très important dans la chrétienté, mais dans la loge c'est autre chose. Et ça, ça échappe parfois à beaucoup de lecteurs de la grande triade qui ne mettent pas en parallèle la création de cette loge. Et Guénon, qui maîtrise complètement ce projet, puisqu'on se repose sur lui, hein, et il est vivant, il est au Caire en 1947, il a des soucis de santé, hein, de longues périodes où il est malade, mais enfin, il tient bon, et d'ailleurs il dira « Ce projet est la réalisation de ma vie ». À la fin d'un courrier, Guénon écrit, à cette époque, en 1947, « Merci pour ce grand projet, c'est la réalisation de ma vie, à quoi j'aurais servi si ça n'avait pas été créé ?» Donc on imagine chez lui l'importance que peut avoir la création d'une loge maçonnique qui porte le nom d'un ouvrage majeur chez lui, qu'il a écrit donc à la fin de sa vie. Et ce projet Grande Triade doit prendre forme. Guénon en a dicté un petit peu le principe. Alors le principe est simple. On associe les gens qui sont dans des tarikas, hein, donc du côté musulman, soufi. Donc il y a cet ésotérisme-là que Guénon souhaite et dit cette loge
portera cette symbolique-là. Mais il y a aussi les chrétiens, au sens du christianisme. Et là, ils s'appuient sur des gens qui ont beaucoup écrit sur la chrétienté, qui ont fait des recherches sur le symbolisme, notamment un certain Charbonneau Lassay, qui s'est intéressé à toute la symbolique chrétienne. Et il va l'associer dans ce projet de loge, en lui disant, ben, l'aspect chrétien, on définira ce que c'est, sur le plan ésotérique. Donc, islam, chrétienté, et bien sûr, le troisième volet initiatique, c'est le volet maçonnique. Alors, on va dire, mais pourquoi c'est cette triade d'associer une initiation maçonnique, une initiation islamique et une initiation chrétienne, en gros? Ben, Guénon se dit tout simplement, si c'est un islamiste qui rentre, ben, il côtoiera... Et il adoptera, hein, il ne dit pas convertir, non, il dit il adoptera la religion chrétienne, il la comprendra. Si c'est un chrétien, ben, il essaiera de comprendre l'ésotérisme islamique, et tout ça marche très bien avec un trait d'union qui sera l'initiation maçonnique. Et il impose un petit peu ce caractère. Mais on comprend vite les limites. C'est-à-dire que certains veulent bien entrer dans cette loge, connaître l'œuvre de Guénon, parce que c'est une des conditions supplémentaires. Ils veulent bien adhérer à l'initiation maçonnique, voire à l'initiation chrétienne, mais ils vont réfuter l'initiation islamique. Et pareil, pour ceux qui sont, hein, faut pas oublier que dans ces années-là, dans les années 20-40, l'initiation symbolique islamique est forte. Les gens adhèrent à l'islam, adhèrent à la lecture du Coran, adhèrent à des principes qui sont nouveaux et qu'ils trouvent fondamentaux sur le... Chacun a sa libre pensée sur le plan ésotérique. Mais mettre ça dans une loge, bah, ça va vite tourner un peu, comme je puis dire, presque à la catastrophe. C'est-à-dire que cette loge, pratiquement, qui a vu le jour, qui a existé, ne va pas fonctionner. Et dans les années qui suivent, on va essayer de la tenir à bout de bras. Guénon est décédé, hein, en 51. Et on va se rendre compte à la loge de France que ben, les gens que Guénon avait mis, une fois qu'il est mort, ben, on ne les calcule plus. On dit « Oh, ceux-là, finalement, n'ont rien à faire en franc-maçonnerie ». Et on va se séparer de ceux qui devaient apporter les solutions pour cette fameuse triade initiatique, parce qu'il s'agit bien de ça. La grande triade, il faut le voir, non plus comme un symbole ternaire, mais comme une triade initiatique. Alors, ouvrons une parenthèse, on va me dire « Mais il n'y a pas de la religion dedans hindouiste. » Mais Guénon en est conscient, il ne peut pas y avoir l'hindouisme. L'hindouisme, pour Guénon, c'est une fascination, c'est une lecture, mais il faut être hindou pour adhérer à l'hindouisme. Et donc Guénon voit bien les limites initiatiques de l'hindouisme. Donc il le range un peu de côté, il s'en sert comme base. Bien sûr, pour lui, ça reste une référence, l'hindouisme, dans sa tradition primordiale, mais en aucun cas on peut délivrer et recevoir l'ésotérisme hindou. Donc pour lui, ce n'est pas possible. Donc cette triade qu'il a construite, qu'il a conçue, elle repose bien, et ça n'apparaît pas dans le livre, hein. Ça apparaît dans ses courriers et dans ses relations qu'il a eues avec ses amis-là, qui sont chargés justement d'apporter à l'intérieur de cette loge, alors pas l'initiation maçonnique, ça c'est la grande loge de France qui l'apporte, mais l'initiation soufie, pratiquement, donc islam, et l'autre initiation, qui est l'initiation sur l'ésotérisme chrétien. Et c'est là que ça va pêcher. C'est que l'initiation soufie, on arrive à la retrouver. Guénon la reconstitue facilement, il est dans ce milieu, il donne des conseils. Mais l'initiation chrétienne, et Guénon le dit, en fait, elle n'existe plus. Il a essayé de la reconstituer, mais elle n'existe plus depuis la fin des Templiers, depuis le XIIe siècle. Voilà. Donc disons que c'était un pari impossible.